Bonjour, tout d'abord merci de m'avoir invité sur le thème de la création d'une marque. Pour l'illustrer, je m'appuierai sur l'histoire de Delivox, celle que je connais, qui est l'entreprise que j'ai créée, et j'insisterai sur deux points qui sont la notion de Lean et celle du pivot. Donc les questions-réponses nous permettront d'appuyer sur les points que je n'aurais pas abordés et qui correspondent à vos attentes. Donc c'est très agréable d'échanger avec vous sur ce sujet car nous avons le même vécu de par nos origines et surtout notre cuisine. Comme vous, j'ai constaté que nos amis européens étaient friands de plats de nos mamans et nos grand-mères et n'hésitent pas à demander des Tupperware en échange d'un sourire. Dans ma famille, aucune femme n'a pu résister, évidemment. Ce constat sera le fondement de Delivox des années plus tard. Après une scolarité assez classique, j'ai opté en dernière année pour l'option création d'entreprise. J'en suis sortie assez déçue car je savais pertinemment que c'est ce que je voulais pour ma vie professionnelle, donc je vais faire référence au GEM dont il parlait tout à l'heure, et je n'avais pas réussi à trouver ni l'idée ni le service à développer. C'est ainsi que j'ai entrepris un master en marketing du luxe, mon autre rêve, devenir responsable international d'une enseigne prestigieuse. Mon diplôme en poche, j'ai intégré la maison Ediard et assez rapidement, j'ai dirigé le département cadeaux d'affaires. J'ai eu le bonheur de plonger dans le monde des épices, participer aux tests produits, en les goûtant avec mes collègues ou ma famille. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'aident jusqu'à aujourd'hui dans la création de mon entreprise. Pendant cette période, je rencontre celui qui deviendra mon futur époux, ce qui a été un grand bonheur. Mais ce dernier travaillait à Madrid et mon mariage a dû mettre un terme à ma carrière en cours afin de le rejoindre. Dans ma solitude, comme beaucoup, j'ai eu le temps de faire le bilan de ce dont je rêvais d'un point de vue professionnel. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui lui aussi est très animé par l'entrepreneuriat et donc avec qui j'ai pu échanger et qui m'a soutenue dans cette recherche. Donc c'est à ce moment que l'aventure de Delivox a pris forme. Je vous fais une parenthèse pour souligner le fait qu'une idée, un constat, une expérience ou une rencontre arrivée à un temps T n'est jamais à négliger. Car cela peut engendrer des conséquences positives dans un autre contexte, à un autre moment. Et je fais référence au fait que pendant mes études, j'ai pu constater que mes copains aimaient bien la nourriture indienne, que plus tard dans mon introspection, je me suis dit que je voulais faire de la création d'entreprise et en joignant les deux bouts, Delivox et nous. Delivox est un concept qui permet de manger indien rapidement pour un budget correspondant à celui d'un ticket restaurant. J'ai donc travaillé sur la charte graphique, les recettes, les fournisseurs, le business Canva, dont on a parlé tout à l'heure, pour établir un cahier des charges au plus précis. Delivox peut donc prendre forme. Mon mari apprend qu'il pourra rentrer sur Paris dans les 6 prochains mois. Or, une opportunité s'offre à nous et mon mari se voit offrir un poste à Londres. Nous décidons de décaler l'ouverture de Delivox et de partir vivre cette aventure qui s'était avérée formidable. Sur place, bonne ou mauvaise nouvelle, ce concept existe déjà. Mais optimiste, c'est l'occasion pour moi de peaufiner mon projet. En discutant avec des amis, on me propose de rencontrer le DG de Tiffin Bites, qui est exactement le concept sur lequel je travaille. Tiffin Bites est un réseau de 20 restaurants de restauration indienne rapide sur Londres. Avant d'aller plus loin, j'avoue au DG mes ambitions en exprimant ma compréhension s'il voulait mettre un terme à notre conversation. Au contraire, il est ravi de partager son expérience. Donc je profite de cette anecdote pour vous convaincre de partager votre idée, de ne pas la garder pour vous. De la partager sans penser qu'elle sera copiée. Au contraire, vous trouverez des gens bienveillants qui vous ouvriront des portes que vous n'aviez pas imaginées. Et vous pouvez en parler en premier, je pense, à la communauté, puisque c'est un gros avantage pour nous, comme il nous l'a indiqué juste avant. Ça y est, je suis prête. J'ai tous les ingrédients pour me lancer. Mon mari a obtenu un retour sur Paris. Mais cette fois, j'apprends que j'attends des jumelles. À ce moment, j'ai déjà un fils de 3 ans et je suis consciente de ce que je vais devoir subir les premières années.
Donc, pour des raisons de logistique, je vais encore devoir patienter un an avant d'ouvrir mon premier restaurant. Cette parenthèse me permet d'affiner ma recherche de local. Je préfère ne pas être trop visible car je ne sais pas si ce concept trouvera des amateurs. J'ouvre un pilote au centre commercial de la Vache Noire que vous connaissez très bien mais que franchement personne ne connaît. En septembre 2013, nous ouvrons notre restaurant. Je suis ravie, les clients sont au rendez-vous. Je ne renonce pas à mes deux valeurs fondamentales, qualité du produit et qualité du service. Je veux en faire une chaîne et on me présente deux investisseurs potentiels. Je vais les voir chacun à leur tour avec des rêves plein la tête. Ils ne se connaissent pas. Et pourtant, ils arrivent à la même conclusion. Vanessa, ton produit est très bien, ton idée parfaite, tu représentes très bien ton entreprise, ton chiffre est là, mais par contre, un gros bémol, ton chiffre décroît. Donc on ne va pas investir dans une entreprise qui perd de l'argent chaque mois. Ils me recommandent de retourner dans ma cuisine et de comprendre pourquoi cet indicateur baisse. Ma seule solution, parler avec mes clients pour m'améliorer. 100% de mes clients me confient que c'est très dommage que pour un restaurant indien, il n'y ait pas de cheese naan. Je n'en reviens pas, mes copains n'ont jamais demandé de cheese naan à ma grand-mère. Donc pourquoi en veulent-ils tous? Mais la réponse est-elle si importante? Non. S'ils veulent des cheese naan, je dois leur en proposer. Je vais m'acheter un four, mais comment les gens sauront que maintenant nous proposons des naan? J'ai l'impression que tout le monde chuchote. Dilibox, c'est une indienne bizarre. Elle a un prénom français et elle ne sert pas de cheese naan. C'est décidé, je vais mettre un tandoor dans la salle, embaucher un chef indien, en l'occurrence Monsieur Singh, et nous verrons. Super, mon chiffre double en quelques semaines. Et c'est là que nous abordons la notion de lean. Je propose un produit, je le mesure, je prends le feedback de mes clients, je me réajuste, je remesure. Et plus ce cycle sera court, moins votre image de marque souffrira en cas d'échec. Vous ne laissez pas aux gens l'opportunité d'associer un échec à votre marque. Vous les surprenez en vous réajustant. Au mieux, vous renverserez la vapeur. Au pire, tout le monde aura oublié votre erreur de départ. Très fière et surtout reconnaissante, je retourne voir mes investisseurs. Mais je ne les considère plus comme tels, mais plutôt comme des conseillers. Verdict, doubler mon chiffre, c'est bien, mais pas suffisant. Je dois continuer de creuser. Je retourne à mon poste d'observateur et je constate que mes clients viennent une fois chez moi et quatre fois s'acheter un sandwich. Pourquoi? Je pose la question et on m'explique que le midi, on préfère un déjeuner sur le pouce et le sandwich convient parfaitement. Après quelques nuits blanches, mon bloc-notes et le stylo dont vous parlez, monsieur, tout à l'heure, je lance le sandwich cheese naan. Devenu le best-seller de Dailybox, je peux envisager mon aventure dans Paris comme rêvé. Je m'arrête un court moment pour évoquer la notion de pivot. Comme son nom l'indique, Dailybox avait pour vocation de vendre des box. Or, aujourd'hui, nos ventes sont réalisées à 70% sur du sandwich. Nous avons donc pivoté. C'est très frustrant pour le fondateur. C'est bien la preuve que notre idée n'était pas la bonne, ou en tout cas pas la meilleure. À cela s'ajoutent les critiques que vous avez entendues et on ne vous ménagera pas dessus. Mais ce n'est pas grave. Loin d'être découragé, vous devez être objectif dans l'analyse de vos données et persévérant. Quand je dis persévérant, ce n'est pas être têtu. Vous vous remettez forcément en question et à juste titre. Mais vous connaissez votre finalité, alors vous voulez réajuster et vous continuez de travailler, tête baissée, pour atteindre votre but. Et mon but, c'est d'en faire une chaîne. Alors le pilote validé, je cherche mon second emplacement. J'ai besoin de visibilité pour crédibiliser ma marque. Je peux enfin faire le pas, car en amont, j'ai réussi à donner un ADN fort à celle-ci. Le 4 janvier de cette année, nous ouvrons dans le 2e arrondissement le second Dailybox. Comme attendu, les résultats sont bons. Comme chaque mois depuis notre première rencontre, j'envoie les chiffres clés à mes conseillers. Un grand bonheur pour moi, ils veulent me rencontrer car ils sont convaincus que maintenant, il faut y aller. Nous devons nous rencontrer en mai. Je dois alors m'aventurer dans un domaine que je connais peu, la levée de fonds. Et encore une fois, j'en parle autour de moi. Mais ce que je souhaite, ce sera en discuter avec quelqu'un qui l'a vécu et qui a assez de recul pour partager son expérience. J'ai pu trouver ces informations dans des livres écrits par ces gens qui nous font tant rêver. Je ne sais pas encore la finalité de mes rencontres à venir, mais je sais ce que je veux. Je terminerai donc en vous remerciant pour votre invitation, mais comme vous l'avez entendu, c'est seulement le début de l'histoire que j'ai pu vous raconter. C'est, je l'espère, le début de la construction d'une marque. Beaucoup d'épreuves, incluant échecs et succès, m'attendent.
Mais si j'ai pu transmettre des informations qui vous permettent de commencer ou continuer votre aventure, alors j'aurai la sensation d'avoir accompli ma mission de ce jour. Merci. Je vous propose la petite séance questions-réponses parce que j'imagine qu'il y a des sujets que vous auriez voulu que j'aborde et que je n'ai pas abordé. Comme vous avez pu constater, je serai très honnête sur le sujet et c'est pas grave de parler d'échecs et c'est pas grave de parler de choses qui sont à vous dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est le moment lors des conférences. Non, vous n'avez pas de questions. Vous êtes timide. Alors, on me demande souvent la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, tout à l'heure, le monsieur disait que les femmes avaient cette chance d'être organisées et clairvoyantes. Et je pense que c'est vraiment ce qui peut nous permettre de mettre à flot une entreprise tout en gardant une vie de famille équilibrée. Et donc, de s'organiser en amont, de définir ses priorités. Et dans les moments un peu plus difficiles, parce que ça fait partie de l'aventure en entreprise, de se concentrer sur soi, sur sa famille, s'appuyer sur le cercle proche afin d'essayer de rebondir. Et généralement, c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est une chance d'avoir une famille, une vie de famille. Tout le monde va vous dire... Oui, mais du coup, c'est énormément de boulot, mais ça permet de penser à autre chose. Parce que quand on fait ses enfants, on pense à ses enfants, et quand on fait son travail, on pense à son travail. Et du coup, ça fait souffler dans chacun des mots. Est-ce qu'avant de créer ton entreprise, tu es passé par être salarié avant? Oui, donc comme j'évoquais, en fait, j'ai passé quelques années chez EDIA. Oui. Et donc, j'ai quitté pour des raisons personnelles. Et quand je suis arrivée à Londres, j'avais créé une autre boîte. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre salarié et créer son propre entreprise? Alors les nuits blanches, mais finalement des salariés m'ont dit qu'eux aussi avaient des nuits blanches, donc je ne vais pas plaindre de ça. Donc quand on est à la tête de son entreprise, je pense que ça c'est difficile. Un gros avantage, c'est qu'on peut choisir de donner à son produit les valeurs qui nous importent. Donc par exemple... j'aurais pu travailler dans une enseigne de restauration. Et là, du fait de proposer ma propre marque, je me dis que tiens, j'aimerais bien que ce soit halal. Donc, proposer ses propres valeurs dans sa boîte, ça nous permet de concilier nos valeurs et notre quotidien. Ensuite, la prise de risque. Je pense que la version risque dont on parlait tout à l'heure est plus importante quand on est entrepreneur. Mais ce n'est pas grave parce que ça nous fait avancer et je pense que dans le cadre d'un salarié, on a une certaine tranquillité d'esprit tant qu'entrepreneur, nous n'avons pas. Alors moi souvent on me dit quand on entreprend, on ne peut pas se verser de salaire au début. Oui. Alors à partir de quand est-ce que vous avez pu... Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Donc, moi, je ne me verse toujours pas de salaire, pour être honnête. Parce qu'en fait, donc, au début, je perdais de l'argent. Ensuite, quand ça a commencé à bien se passer, je me suis dit qu'il fallait que tout l'argent qui sortait de la boîte devait être réinvesti pour améliorer mon offre, puisque j'avais compris ce qui n'allait pas. Et ensuite, quand le bilan d'après qui était positif, j'ai tout mis en apport pour le second restaurant. En fait, pour le second restaurant, j'avais deux solutions. Soit partir avec des investisseurs, et dans ce cas-là, je pouvais me rémunérer, et avec leur argent, je l'ouvrais. Ou bien, je le faisais en propre, et dans ce cas-là, c'était tout l'argent que je ne m'étais pas versé, que je mettais en apport dans ce deuxième restaurant. Et donc, je suis convaincue du concept, et du coup, je me dis que ben, c'est pas grave, j'ai investi tout mon argent. Et du coup, je pourrais mieux valoriser ma levée de fonds en affichant deux restaurants positifs plutôt qu'un restaurant qui avait fait moitié négatif et moitié positif. Entre la pyramide, il y avait beaucoup de temps de réflexion entre les aléas personnels. Oui. Et donc, entre l'idée que vous avez eue et la conception, c'est la même année que vous avez Du coup, c'est à peu près 2 ans.
Et c'est franchement une erreur parce qu'en fait, plus tôt vous allez mettre votre produit ou votre service sur le marché, plus tôt vous allez voir les erreurs que vous avez faites et vous allez du coup vous réajuster. Voilà, donc bon, évidemment, on est indien, donc il y a la sécurité de l'emploi, il y a tout qui intervient et du coup, on s'était dit qu'on ne peut pas passer cette opportunité d'aller à Londres qui était très intéressante pour nous. Mais finalement, on reste assez mitigé sur ce choix de vie parce que c'est-à-dire que l'aventure, elle aurait commencé 2 ans plus tôt et que finalement, quand on veut un développement assez rapide, ben, chaque année aurait tombé. Sinon, je peux rebondir sur le fait de communiquer sur son idée et le fait qu'on ne vous la volera pas. Ça, j'en suis persuadée et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus d'échanges sur, ou en tous les cas de contact auprès de notre communauté pour pouvoir parler d'un sujet en disant toi tu connais bien ce domaine et moi j'ai un besoin dessus parce qu'on a toujours cette sensation qu'on va se faire voler l'idée. Alors des idées, tout le monde en a. Moi mon idée, tout le monde l'a eue, tous les Indiens l'ont eue. Donc finalement, c'était pas une question d'idée, c'est une question de réalisation. Et pour la petite anecdote, moi j'ai ouvert un lundi et le vendredi qui précédait, un garçon a ouvert exactement le même concept, qui s'appelle India Box, donc 3 jours avant. Et il ne me connaissait pas et je ne le connaissais pas, donc il n'a pas copié sur moi et je n'ai pas copié sur lui. Et finalement, bon, au bout d'un an, il a fermé, je pense, pour la raison pour laquelle moi j'allais pas bien, c'est parce qu'en fait il ne proposait pas de cheese non plus. Donc je pense que l'erreur a été là et ce garçon a très bien rebondi, tant mieux. Mais donc finalement, sans en avoir parlé avec lui, il l'a fait. Donc c'est pas parce que vous en parlez que quelqu'un va recopier. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre de Delic Box, par exemple, là j'ai fait une conférence de presse cette semaine et on me disait « Oh là là, votre sandwich, il est canon. Du coup, tout le monde va le copier. » Alors bon, déjà, je pense pas. Et surtout, ce serait bien que justement quelqu'un le copie, qui est une enseigne qui propose à peu près la même chose, donc de l'indien épuré en rapide, puisque du coup, le consommateur serait déjà informé et éduqué sur ce genre de concept. Parce que plus il y a des japonais, plus on mange japonais. Donc finalement, plus il y aura de la restauration indienne épurée, plus ils voudront la restauration indienne épurée.